Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment protéger avec un mot de passe un fichier Microsoft Word 2010. Alors donc pour cela, j'ouvre Microsoft Word de façon tout à fait normale, je tape mon texte, après je me rends sur fichier, puis sur protéger le document, je mets chiffrer avec un mot de passe, en cliquant ici, je tape mon mot de passe, je clique sur OK, je retape mon mot de passe afin de confirmer, je clique sur OK, et là Word me confirme bien que mon document est protégé avec un mot de passe et qu'un mot de passe est requis pour ouvrir ce document. Voilà, donc là je vais enregistrer mon document après, voilà, touc. Et donc quand je vais après réouvrir mon document, il va me demander de saisir le mot de passe. Donc vous saisissez le mot de passe, vous cliquez sur OK et vous arrivez sur votre document qui a été donc protégé. Voilà. Donc c'est une petite technique très simple qui permet de protéger ces documents confidentiels, d'empêcher que n'importe qui puisse les voir. Voilà, donc si vous avez des questions relatives à ce sujet, n'hésitez pas à me poser la question par mail à l'adresse suivante, vidéo.lecarnetculture@gmail.com, ou tout simplement en laissant un petit commentaire. Voilà, merci, au revoir.